Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur City Skyline, hein, bien sûr, comme toutes les fins de semaine, bien sûr. Hein. Donc dans l'épisode précédent, on a bossé sur notre aéroport, hein, voilà ce que ça a donné. Donc on a refait surtout la zone, on a refait un peu le système routier du secteur. Et je pense que ça a fonctionné plutôt pas mal, hein, franchement. Après j'ai presque un peu peur quand même du côté marchandises, que ça génère un afflux un peu trop grand à voir, quoi, franchement. Après, éventuellement, on pourrait faire une entrée-sortie d'autoroute exprès pour cette partie de l'aéroport, éventuellement en cassant pour bien séparer les flux. Là aussi, j'ai de la neige, donc est-ce que les déblayeuses vont pouvoir déblayer là malgré que ce soit pas connecté physiquement? Enfin, c'est assez un mystère, quoi. On verra comment il faudra adapter la zone, en tout cas. Notre aéroport devrait fonctionner plutôt pas mal, hein, quand même. Surtout qu'on a quand même une grosse université qu'on a fait il y a 2 semaines, hein. Donc plutôt sympathique, hein, franchement. D'ailleurs, elle crame, d'ailleurs. Enfin. Ah oui, d'ailleurs, on pourra pouvoir mettre les services d'urgence aussi, tout ce qui est pour les hélicoptères et tout ça. Du coup, on fera ça aussi dans le secteur, hein, bien sûr. C'est que ça, j'avais un peu zappé. Hein. Du coup, on a de la place un peu par ici, quoi. Donc, ça sera plutôt opportun. C'est vrai qu'on pourrait mettre presque un péage et... On verra, quoi. Aujourd'hui, ça va être en timelapse, hein, bien sûr. C'est que c'est plus intéressant pour vous quand même de pouvoir voir petit à petit peut-être vos vitesses x4 comme ça. Donc voilà, quoi. Hein. Aujourd'hui, on va tirer le train. Donc, ça va sûrement le relier à la gare principale. Ajouter une gare en tout cas ici. Et il n'y aura pas de gare qui ira à l'aéroport. Ils iront en tram, nos futurs clients. Enfin, j'espère que ça va le faire, quoi, du coup. Éventuellement, peut-être qu'on fera un tram qui fera seulement des allers-retours entre l'aéroport et la gare, du coup. Éventuellement, on pourrait faire peut-être un autre carrefour pour la gare, quoi. À voir. Enfin, on va se retrouver tout de suite pour le timelapse. We'll be right back.
Voilà, on se retrouve après ce timelapse. Hein. Franchement, c'était pas mal fructueux. Hein. Maintenant, on a donc la police, les pompiers, et tout ce qui est pour la santé, hein, au niveau des hélicoptères. Notre aéroport, où maintenant, on a donc des barrières de sécurité tout le long. Hein. J'ai modifié un petit peu au niveau de la zone de fret, hein, parce qu'apparemment, ça fonctionnait pas terrible, quoi. Donc là, j'ai mis un péage pour simuler un petit peu qu'il y aurait une espèce de sécurité, quand même. Après, je vous dis, ça fonctionnait pas très bien, je pense qu'il y aurait des camions qui partiraient là et qui amèneraient, mais apparemment ça fonctionne pas comme ça, donc il faudrait bien relier. Donc là j'ai fait au mieux. Après, une grosse route comme ça, ça passait pas dans le virage malheureusement, donc j'ai mis une route industrielle simplement, mais ça a l'air plutôt pas mal, hein, franchement. Ici donc c'est toute la zone fret, et ici ben, c'est la zone passager avec notre compagnie, hein, d'ailleurs. Donc grâce au siège de la compagnie, on peut créer notre compagnie dessiner le design des avions, hein. donc voilà, c'est plutôt sympathique, hein. Donc là c'est vraiment cette livrée là que j'ai créée moi pour ma compagnie. Il nous embête le jeu des fois, hein. This is Mars official radio with Panem Public Service Escort. De ouf ça, il me troll. Voilà, donc là on a des trams, hein, qui font la longueur, l'aller-retour jusqu'à la gare, avec nos trains. D'ailleurs, je pense qu'on a des trains à nous de la ville. Mais là, ça va pas être des trains à nous du tout, en plus. Ah si, c'est les trains d'aéroport quand même, mais lui c'est un train extérieur. C'est vrai que normalement on peut enlever les trains d'intercité. D'ailleurs, j'aurais bien fait là, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne pas dans le jeu là, donc assez bizarre quoi. Mais globalement, je suis plutôt content de la zone, avec notre zone résidentielle qui a bien grandi. Hein. Du coup, tout ça, c'est nouveau, hein, si vous vous souvenez bien. Donc franchement, je suis plutôt content. Enfin, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour le prochain épisode, hein, franchement. Si vous avez quelque chose qui vous intéresserait de voir. Enfin, qu'on peut voir, en tout cas, on a l'air d'avoir des problèmes de poubelle. Hein, donc à voir ce qu'il en est. Enfin, on va se quitter avec une petite vue au niveau de notre aéroport. Puis moi, je vous dis à bientôt.